C'est inadmissible en fait. Moi, il n'est pas nommé. Oui. Il y a urgence, c'est sa soeur qui ne se sent pas bien, il n'y a pas de médicaments et tout. Vous appelez, vous dites qu'on n'a pas venu à 7h, alors qu'eux, ils appellent à l'aide. On arrive à la moindre des choses, vous voyez. C'est de nous renseigner et puis voir ce qu'on peut faire. Mais dans l'immédiat, surtout pour que la fille ait moins mal, en fait. Oui, à peine si vous nous avez reçu, on vous a salué, vous nous avez reçu. Très difficilement, toujours parti. L'ordonnance, c'est tout dans sa main. Il a acheté. Est-ce qu'il y a des médicaments ici dans l'immédiat pour calmer ses douleurs? Tu n'as pas acheté les secours. Si, elle dit qu'elle. Elle se tord de douleur en fait depuis qu'on est arrivé. Elle est place, toi. Elle place. J'ai terminé de la mettre. Elle a dit d'attendre un peu plus qu'elle est calmée. Elle sent toujours les douleurs. Mais c'est comme ça, hein? Elles sont passées. C'est une césarienne qu'on a en fait. Donc le support, c'est une antidouleur. Quand on met quand même, tu sens un peu la douleur. C'est comme ça. On va passer. La douleur dans c'est où? Là où t'es? Il y a quelle pharmacie qui est ouverte à cette heure? Il faut comptabiliser. Mais le bébé, plus le bébé, ça lui va bien. Tiens, l'embrouille. Est-ce qu'il a mangé? G5. Du coup, 5%, tu as des donc après cette somme-là, quand on paye, il n'y a rien à payer. On a quoi d'autre? Il y a d'autres choses à payer pour pouvoir les libérer. D'accord. Donc vous pourrez sortir. Quand le docteur. Okay.
matin. Tiens, il faut compter. Mon bébé est beau. Il s'appelle son nom. Ethan. Ethan. On t'a donné combien d'années? 250. Ok. Tu laisses à la revue? Non, tu laisses à... Ah, ok. Il te reste combien d'années? 45. Une complète pour lui donner. Pour le donner. Déjà, tu es né là, tu suis pousse. Non. Va pleurer, sois pas venu s'il veut, tu pleures. Je me suis perdue dans un bobo là, au moins 4 fois. Il t'a dit. Oh. Il faut que ça fasse bon. Bon, il peut dormir. Je dis au revoir à ta soeur. Donc chérie, repose-toi bien, ok? Et si t'as fait un pour mon même temps. On va aller. Bye-bye. Au revoir. Au revoir. Il y a mes clés. Mon cœur est bien chaud. Il restait un peu, c'est moi qui ai chié sur la dame. Et puis elle s'est ressaisie. Excusez-moi parce que je suis fatiguée. Tu es fatiguée pendant que d'autres de tes patients sont limite en train de se tordre de douleur. Ça, là, je ne comprends pas. Ça dit que... Elle vous allume ici. Merci, Sarah, c'est comme phare. Bon, attendez, mes éléments, j'essaie de me retrouver. Que... Je vous donne pas comment. Donnez tout. Bon, plus sincèrement, mais ma love chérie, franchement, je ne savais pas que... Quoi? C'est condamné? Oui, dès qu'on démence, c'est condamné. Je ne savais pas et je n'ai jamais su que ça se passait comme ça dans nos hôpitaux. Et je suis choquée. Je suis... j'ai même pas de mots. C'est-à-dire que je suis là et puis j'ai mis une publication, j'arrive pas à dormir. Et je vois le message de la fille. Donc, moi, ça passe pas dans ma tête. Je dis à mon assistant, bon, appelle là pour savoir ce qui se passe. Mm-hmm. Elle nous fait savoir qu'en fait, elle est allée à Hachma. Non, d'abord à l'hôpital Félix Sophie, vous voyez. Et voilà. Et on lui a dit que bon, ils n'ont pas d'argent, donc on ne peut pas les prendre. Ensuite, Hachma, on leur dit pareil. C'est ça, non? Mm-hmm. Ensuite, elle va où? Au chute de Cocody. Au chute de Cocody. Tout ça pendant que la fille en travaille. Et voilà. Et on leur dit pareil.
jusqu'à ce que, je crois, le brancardier du CHU leur demande de venir ici. Mais on est dans le fin fond d'Abobo, quoi. C'est-à-dire que je ne sais même pas où je suis. Si ce n'est pas mon garde corps qui a pu venir me dévancer pour venir voir. Tout simplement parce que j'étais choquée. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse laisser une femme souffrir, une femme enceinte. C'est-à-dire que en une fraction de seconde, elle pouvait mourir, elle et l'enfant, en fait. Donc, comme elle n'a pas de moyens, on la regarde pour lui dire qu'on ne peut pas la toucher, en fait. Nos hôpitaux sont devenus quoi, en fait? Je ne comprends pas. Et le pire, c'est que... Oui, c'est vrai, vous allez me dire que oui, ça se passe et que nous, on ne sait pas. Bah, on ne sait pas. On ne sait pas parce que... Ça, c'est quoi, ça? Ta sécurité. On ne sait pas parce qu'on ne veut pas savoir, tout simplement parce que, bon, oui, Dieu nous a fait grâce, donc nous, on va à l'hôpital, on va, on paye, on s'en va. On ne sait pas qu'on fait ça à d'autres personnes et que ces personnes arrivent à l'hôpital et qu'ils sont bloqués, ou bien que d'autres meurent. J'ai eu à lire des différents commentaires qui disaient que c'était récurrent et qu'il y avait pire que ça. Il y en a même qui mouraient dans les couloirs des hôpitaux. Mais le ministre de la Santé, le ministère de la Santé, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc? C'est que le serment d'Hippocrate, là, ça disait pas ça. En fait, moi, j'ai pas fait la médecine, mais je sais que c'est la vie de quelqu'un avant l'argent, quoi. Donc, je n'arrive pas à concevoir ça. J'étais tellement choquée, j'ai dû sortir moi-même pour venir constater. Et il est quelle heure? Il est 4 heures du matin. Parce que je ne pouvais pas concevoir que ce soit vrai. Et ça s'est avéré vrai. Finalement, on va où? Mais c'est... J'ai même pas de mots. Vous voyez que je bégaye. Je suis remontée, je suis choquée, je sais pas. Et ça m'a tellement fait mal, André, que je connaissais la fille en question. Mais non, je la connais pas. Mais je veux dire, c'est une vie. C'est même deux vies. C'est un enfant, c'est une jeune fille comme nous. Je sais pas. Et ça peut arriver à tout le monde, en fait. Ça peut arriver à tout le monde. On est à l'abri, on n'est pas à l'abri de ça. Riche ou pauvre, en fait, parce que du jour au lendemain, l'argent, là, c'est quelque chose qui est éphémère, quoi. On sait jamais. Comment vous faites, vous, humains, faites de sang et de chair comme nous, vous regardez des gens mourir sous prétexte qu'ils n'ont pas d'argent pour pouvoir les toucher, en fait. Donc, si quelqu'un a fait un grave accident, quand on l'envoie à l'hôpital, s'il n'a pas d'argent pour le soigner, on le laisse mourir. Ça aussi, on fait ça. Donc, les gens miséreux, les gens qui n'ont pas d'argent, ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit, en fait, à vivre. Ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit. Je ne sais pas. Mais c'est triste. C'est scandaleux. Et franchement, pour un pays comme le nôtre, attendez, on veut parler de développement, mais il faut qu'on commence par là. C'est quoi ça? C'est-à-dire que finalement, l'armée même est mieux. Et à l'armée, je pense que à l'armée, là, c'est... Ils ont finalement plus d'indulgence que les médecins. Je suis... J'ai vu la fille, là, se tordre sur son lit, c'est... Et la sage-femme est tranquille, quoi. Mais limite, quand on arrivait, nous a lorgné. Oui. Du genre... On nous a pas salué. Oui. On l'a salué, elle nous a pas répondu, elle nous a lorgné. Mais c'est... en fait, elle était en mode... On vous a dit de venir à 7h, vous êtes venu à l'heure. Genre, elle est fatiguée, quoi. Mm-hmm. Donc, elle vient, on la salue, elle nous lorgne. Et puis, elle s'en va dans la... Je sais pas où, là. Et c'est le gardien qui cause avec nous. Donc, quand le gardien cause avec nous, qu'on lui pose des questions, elle appelle Jean, il faut lui dire, la casse se tait, il ne va pas parler avec nous, en fait.
je sais pas si vous comprenez ce qui cette scène là. C'est-à-dire que des gens quittent, tu ne sais pas où, pour venir aider une personne X. Parce que cette personne est en train de souffrir, tu l'entends gémir sur le lit, mais elle était en train vraiment de se tordre de douleur. Mais toi, tu trouves le moyen de dormir. Et quand tu vois des gens qui veulent venir essayer d'aider, parce que oui, il faut acheter des médicaments, ils n'ont pas d'argent pour acheter même les médicaments. Et toi, ça t'énerve limite, en fait, qu'on vienne en griffe sauver des gens comme nous. Je ne sais pas sauver avec l'aide. Pourquoi on vient perturber son sommeil? Paradis. Hein? C'est où? Ah, on va rentrer à gauche. Putain. Mais franchement, si c'est vraiment ce qui se passe partout dans les hôpitaux, bah, je pense qu'on est mal barré en fait. On est mal barré. Moi, j'ai plus de mots. Je pense que faut qu'on se penche sur ça. Mais faut vraiment qu'on se penche tous sur cette situation-là parce que ça peut pas continuer. Je suis sûre qu'il peut avoir des mesures, je sais pas, pour des gens dans le besoin qu'on puisse les aider, les soigner tout de suite, quitte à après trouver le moyen de les faire payer, mais qu'on puisse sauver des vies, mais tout de suite. Mm-hmm. Mais... je vais vous laisser, on y reviendra, parce que là, tout à vos bois est réveillé, maintenant il y a de la circulation. Il faut que je me concentre, sinon. On va me cogner ici la fossée. D'abord, il est cassé sans bouche. Je passe. Hé, mon frère, pardon. Les gars roulent mal ici. Je vais où? En fait, tout droit. Tout droit? Oui, ouais. Allez-y, tout droit. Oh. Le Bakwa, il m'a pas vu quoi. Bakwa, il tape les gens et portiers, t'as dit quoi. Elle dit que c'est partout en Afrique. C'est pour ça que nos dirigeants, ils se soignent à l'étranger. Au Cameroun, c'est très récurrent là-bas. Au Cameroun aussi. Oui, oui. Mais pourtant, derrière nous ici, là, au Maroc, on soigne les gens d'abord. Ou bien, vous, ceux qui sont au Maroc, là, dites-moi si je me trompe, en fait. Quand tu arrives à l'hôpital, on te soigne d'abord et ensuite, on te... Je sais pas, y a le moyen après de te faire payer, mais que ce soit tout doucement ou quoi que ce soit, je sais pas, ou bien... Je veux savoir. Oui, effectivement, ces femmes-là, les sages-femmes-là, j'ai l'impression en fait qu'elles n'aiment pas leur métier et qu'elles le font juste parce qu'elles ont envie de... Elles ont besoin d'argent. Parce que je pense que si tu aimes ton métier, que tu aimes les enfants et tu veux mettre des enfants au monde, t'occuper de maman, limite, tu as un autre comportement en fait. Tu as un autre comportement. Tu ne peux pas dormir quand quelqu'un est en train de gémir à côté de toi. On est rentré dans l'hôpital, là. Tout le monde dort. La jeune fille est en train de... Elle se tord de douleur. Le bébé à côté pleure. Comment on dort? Comment on fait pour dormir avec ça là? Et tu viens, tu nous vois, ton visage est serré. C'est l'argent d'abord. Et la vie après, quoi. Il y a une qui dit que le Gabon a fini avec les femmes enceintes accouchent à même le sol. Les nouveaux-nés sont bloqués tant qu'on ne paye pas. On bloque les nouveaux-nés.
au Gabon. Mm-hmm. En fait, c'est quoi? C'est toute l'Afrique? On doit faire le... vous allez passer par territoire agréable. Pas forcément, oui. Bah, où ça? Bah, je sais pas. Oui, on peut passer. On passe comme ça alors. On va comment? Ouais. En fait, toi, tu fais comme si tu connais, tu maîtrises, tu sais où tu te vas. À côté de demain, on va tant qu'on fait, on va à gauche. Ouais, à droite et puis en tout à gauche. On va comme ça, puis on fait le rond. Ok. Bah, c'est ce que je disais, elles font ce boulot-là sûrement par défaut, parce que sinon, si tu aimes ton boulot, tu as une autre... C'est où ça? C'est là. À droite. Tu es... Et, vous, là, vous êtes sérieux? Il n'y a pas comment passer ça, il y a 18 bacs. Bon, alors... D'accord, comment vas-tu passer aux zoos, alors? Non, alors, il y a où, mais c'est la rue des zoos. Je veux dire, arrive à un moment, quand tu aimes ton métier, c'est que tu vois une femme en train de souffrir de ce tote de douleur, bah, tu fais le minimum là, à l'instant là, avant de lui parler d'argent. Tu ne la ramènes pas dans un autre hôpital. Lago a fait quoi? Deux hôpitaux, non? Mm-hmm. Trois hôpitaux la nuit, là? Comment on peut être en travail, en plus césarienne? Ça veut dire que c'est compliqué. Et la fille même a dit que le bébé ne respirait plus. Donc tu sais ça, et puis tu lui dis qu'elle est dans un autre hôpital. Mais c'est la sorcellerie. Ça dépassait la méchanceté. Donc c'est-à-dire que l'enfant aurait pu ne pas naître. C'est terminé, la mère allait avoir des complications et puis voilà. Essaye de me supporter. Tu es à droite? Non, c'est révoltant en fait. Il reste là? Au Burkina, il y a des dames qui quittent le lit et puis elles tombent. Et la sage-femme, elle est où? À ce moment-là? Là, là. Il y a une de ma love qui dit que les sages-femmes... Quand tu n'as pas d'argent, tu ne regardes pas. Mais oui, c'est ce que je disais tantôt. Même aux États-Unis, tu accouches. Après, tu as une dette. Tu payes tranquillement. Tu ne payes pas, tu as problème. C'est tout. Mais il faut qu'on trouve le moyen d'instaurer ça dans nos pays africains. Sinon, mais des gens meurent bêtement. J'ai lu, je ne sais pas combien de témoignages ce soir sous mes publications, mais j'étais choquée. Si c'est récurrent comme ça, mais c'est que c'est chaud. Voilà, en Afrique du Sud, c'est gratuit, tu reçois ta facture après et la somme est insignifiante. Mais voilà, parce que bon, c'est quand même l'être humain, c'est, je sais pas. Oui. Oh. Mais c'est, je sais pas, mais moi ça passe pas dans ma tête. Je vais où? On suit les taxis. Le taxi. Ça passe pas dans ma tête. Je pouvais pas imaginer une seule seconde en fait qu'il pouvait avoir ce genre de mort, mais limite prématurée dans nos hôpitaux, mais en Côte d'Ivoire quoi. Non. Que tu viennes, que tu veuilles te faire soigner et on te dise de payer avant, sinon on ne te soigne pas. Mais comment on fait pour regarder quelqu'un qui souffre pour lui dire ça? Et que si tu as fait un accident, que tu as une hémorragie interne, on fait comment? Vu qu'on ne va pas te toucher, donc on ne va pas pouvoir te faire. On ne va pas pouvoir te faire de radio, donc on ne saura pas. Donc tu peux mourir. Tout simplement. Et puis voilà, c'est facile quoi. Et puis ils vont venir te dire, on a fait de notre mieux. Quel mieux? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Vous avez regardé les gens mourir. Ça, tu vas à gauche? On a quitté celui-là, non? C'est là,
Attends, tu sais qu'à chaque fois, j'essaie de lire ce qu'ils sont en train de dire, mais c'est la même chose qui se répète. Hein. Ouais. C'est général. C'est-à-dire que c'est bêtement là, aujourd'hui, que j'ai su ça. Parce qu'on n'en parle même pas. Pourquoi les gens n'en parlent pas?